Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur le Premier ministre, cher Alain Juppé, Votre Excellence, Monseigneur Milioré, nonce apostolique, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Délégué général de l'Ordre de la Libération, mon général, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Chancelier honoraire, Messieurs les secrétaires perpétuels, Madame et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les gouverneurs, Messieurs les officiers généraux, chers consoeurs et confrères, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers amis. Monsieur Guémard a été élu le 14 mars 2022 dans la section générale au fauteuil laissé vacant par le décès le 4 septembre 2019 de son éminence le cardinal Roger Etchegaray. Monsieur le Président de la République, protecteur de l'Académie, a approuvé cette élection par décret le 29 mars 2022. Monsieur le Président de la République a été informé de l'installation de Monsieur Guémard ce jour. Retenu par ses obligations, il nous prie d'excuser son absence. Avant que la parole ne soit donnée à notre confrère Thierry de Montbrial pour prononcer le discours d'accueil d'Hervé Guémard, nous avons le privilège d'écouter la première suite de Bach interprétée par M. Gauthier Capuçon. Thank you.
La parole est à Thierry de Montbrial, notre confrère, pour prononcer le discours d'accueil d'Hervé Guémard. Cher Hervé Guémard, oui, si je suis de quelque part, c'est bien d'ici. C'est vous qui parlez, ou plutôt qui écrivez en 2014. Ici, c'est-à-dire les Chapieux, qui, lit-on dans la présentation d'un beau livre, sont sur l'abrupte face méridionale du Mont Blanc, un site de haute altitude, inaccessible en hiver en raison des risques d'avalanche. Alors que, pendant des siècles, seuls les alpagistes et les militaires s'y sont aventurés, les premiers pour produire leur fromage, les seconds pour s'y affronter dans une zone réputée frontière, dès la fin du XIXe siècle, cette contrée d'aspect difficile est popularisée par les pionniers de l'alpinisme. Je reviens à vous. Même si mon regard intérieur me relie pour toujours à Saint-Siméon, entre Alep et Antioche, au milieu des oliviers et des cyprès, à la rumeur du Caire, à la magie du désert, à cette simple croix blanche dans le petit cimetière de Colombey, à la fois mémoire et injonction, au détail d'un paysage d'Islande, à la lumière des plateaux malgaches, aux braves types de l'île de Saint, aux rues sablonneuses de Tombouctou, aux îles où l'on parle français, à l'esplanade des Invalides ou au chevet de Notre-Dame, à l'émouvante beauté de l'Éthiopie et de ses femmes, sur la mer de la vie qui brasse, tord, essore et sublime, oui, bien sûr, mon ancre est ici. Ces quelques lignes révèlent déjà beaucoup de votre personnage, comme votre appétit littéraire. Oui, vous êtes de quelque part. Vos mémoires d'étape, publiées en 2004, vous aviez 44 ans, sont intitulées « La route des Chapieux, la politique et la vie ». Et ce titre correspond à votre vérité. Oui, vous avez une encre, comme si vous étiez né une première fois bien avant votre naissance charnelle. Vous ne manquez jamais de souligner que vos racines sont paysannes. Je vous cite, et d'une paysannerie bien spécifique à la montagne, même si vos parents étaient commerçants. Qui vous écouterait sur votre enfance sans vous connaître pourrait imaginer que vous avez vu le jour un demi-siècle plus tôt dans un village montagnard, non en 1960 à Bourg-Saint-Maurice, au fin fond de la Haute Tarentaise, au pied du col du Petit-Saint-Bernard, frontière avec le Val d'Aoste et l'Italie, depuis que la Savoie est devenue française en 1860. Le fragment que je viens de lire laisse pressentir votre attachement, sans doute pas mystique. Votre sympathie pour Peggy et pour Barès ne va pas jusque-là, mais certainement charnel à une terre. Il exhibe votre élan antidéromantique vers le grand large, vers l'Orient qui, pour vous, est d'abord celui de notre voisinage, ce qui renvoie encore à l'idée de racine. Vous passez directement de la magie du désert à la croix blanche de Colombey. Là aussi, je vois chez vous comme un décalage inspirant. Vous dites que vous êtes devenu gaulliste le jour de la mort du général. Vous aviez 10 ans. Et déjà une forte attirance pour la littérature, puisque 2 ans plus tard, expliquez-vous, je vous cite, la lecture des Chênes qu'on abat de Malraux m'a conforté dans cette inclinaison. Et c'est cette dimension littéraire, avec aussi Romain Gary, Pierre-Jean Jouve et quelques autres, qui me procurèrent ce sentiment d'unité entre politique et littérature. Ce sentiment est l'une de vos principales lignes de force. Vous êtes un grand admirateur de Malraux, et comme vous aimez écrire aux morts, vous lui avez adressé 2 lettres posthumes, la première à l'âge de 16 ans, et la seconde sous la forme d'un magnifique petit livre, « Pour Malraux », publié en 1996
où l'on retrouve quelques-unes de vos obsessions sur l'enfance ou sur l'Orient, par exemple. Dans votre lettre, puisqu'il s'agit d'une lettre, vous lui écrivez « C'est avec vous que je devins gaulliste, et encore davantage quand on m'expliqua un jour que c'était démodé, voire dépassé. J'avais conscience que ma génération était la dernière à être dépositaire de quelque chose de simple et de grand, enfoui dans la mémoire de l'enfance, et qu'elle seule pourrait le transmettre, car seuls les songes sont invincibles. » Fin de citation. Nul n'a pu s'étonner de votre élection fin 2018 à la présidence de la Fondation Charles de Gaulle. La sorte de paradoxe dont j'ai parlé saute également aux yeux quand vous dites que les trois événements fondateurs de ma matrice politique, c'est vous qui parlez, sont la débâcle et l'exode de 1940, dont je ne me suis jamais remis, la Shoah, au détour d'une émission télévisée et des photos vues dans un magazine, la chute de Phnom Penh et de Saïgon, l'image de l'hélicoptère américain décollant du toit de l'ambassade avec des Vietnamiens accrochés et l'humanité titrant sur toute la largeur de sa une « Victoire ». Cette sorte de paradoxe ou de décalage mérite une appellation plus juste, la conscience historique. L'histoire vous passionne autant que la littérature. L'histoire de France et la littérature française conjointement ne cessent d'alimenter votre conception toute gaullienne de notre pays et ainsi d'entretenir l'idée que vous vous faites de la France, donc l'espérance de son salut. Quand on est né pendant les Trente Glorieuses, ou a fortiori plus tard, comment peut-on affirmer qu'on ne s'est jamais remis de la débâcle ou du drame, général André Beaufre, ou de l'étrange défaite, Marc Bloch, de 1940, sinon lorsqu'on a une conscience historique. Si la débâcle de 1940 continue de hanter celles et ceux qui en ont une, c'est en raison de la phase de déclin dans laquelle notre pays est actuellement engagé. Oui, je ne crains pas de parler de déclin. Le gaullisme s'exprime dans la célèbre profession de foi de l'avant-dernier paragraphe des Mémoires de guerre. Vieille France, accablée d'histoire, meurtrie de guerres et de révolutions, allant et venant sans relâche de la grandeur au déclin, mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveau. Il ne faut pas nier le déclin, mais au contraire, comme vos écrits politiques le martèlent, en prendre conscience pour le renverser. En pratique, le gaullisme, ce n'est pas une doctrine prête à l'emploi, qu'il s'agisse de tactique ou de stratégie. Charles de Gaulle a commis des erreurs, il a connu bien des échecs, en particulier dans les temps de sa présidence, même dans le domaine de la politique étrangère, qu'il a pourtant fortement marqué de son empreinte. Dans vos écrits, en particulier dans vos préfaces, à la discorde chez l'ennemi, la France et son armée et le fil de l'épée, vous rappelez qu'il resta toute sa vie pragmatique. S'il vit encore parmi nous, au-delà de ses échecs et de ses erreurs, comme d'autres grands hommes ou femmes de notre saga nationale, ce n'est pas parce qu'il aurait atteint ses objectifs. C'est en raison de ses vertus et donc de son exemple, celui d'un chef intègre à la recherche de la voie à suivre pour que la France s'inscrive dans ce qu'elle a de meilleur. Recherche de la voie et non le but à atteindre. Et d'ailleurs, comme le dit la sagesse taoïste, le but n'est pas à atteindre. Le Christ dit « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Mais pour le chrétien, ce n'est pas ici-bas que le but est à atteindre. En tout cas, celui qui ne s'écarte pas de la voie accomplit des œuvres mémorables de ce seul fait. Pour le héros de Homère, le but ultime de la vie n'est pas d'avoir réussi, mais de rester dans la mémoire des générations futures pour avoir accompli un acte héroïque. Ah, puissais-je ne pas mourir sans combat ni sans gloire, mais accomplir un exploit qu'apprendront les hommes à naître, lit-on dans l'Iliade. Assurément, Charles de Gaulle, qui, faut-il le rappeler, était animé par la foi,
n'a pas réussi à effacer la défaite de 1940, comme si elle n'avait pas eu lieu. La rédemption ne viendra peut-être jamais, mais il a montré la voie et accompli des exploits. Il demeure donc comme un héros de l'histoire de France. Le second événement fondateur de votre matrice politique est la Shoah. La Shoah qui continue d'incarner la figure du mal absolu. Dans votre « Pour Malraux », vous citez les noyés de l'Altenbourg à travers la lecture qu'en fit Semprun. Je cite Semprun, « Je cherche la région cruciale de l'âme où le mal absolu s'oppose à la fraternité. » Malraux, à qui vous écrivez aussi, ça c'est vous qui écrivez à Malraux, « Vous avez créé beaucoup de poncifs. Gide vous aurait envié. Tout le monde répète, l'avez-vous dit ou non, que le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Je ne sais si votre pronostic se confirmera et je n'ai pas envie d'engager la discussion. Vous avez tellement tourné autour de la foi. Mais il est vrai, nous vivons dans une époque à la fois désenchantée et en quête d'idéal. » Fin de citation. En effet, Malraux n'a cessé de tourner autour de la foi et du sacré. Et c'est bien la foi et le sacré qui continuent d'interroger la Shoah et réciproquement au-delà de la conscience politique. La question de la foi est pour vous un sujet majeur autour duquel, avec beaucoup de pudeur, vous aussi ne cessez de tourner. Vous avez publié en 2020 une belle préface à la réédition de « Rue de la liberté ». Ce témoignage sur l'univers concentrationnaire du juste que fut Edmond Michelet, 1899-1970, dont on se souvient notamment comme un ministre des Affaires culturelles à la toute fin de sa vie. C'était au début du mandat de Georges Pompidou. Plutôt que de raconter la face noire des camps de la mort, écrivez-vous, Michelet préfère exposer ce qu'il perçoit comme leur versant lumineux. Je vous cite encore, « Plus que retracer la sauvagerie des capots, la brutalité des détenus qui parfois se battaient pour un morceau de pain ou pour châtier un voleur, Michelet préfère à la douleur de l'ombre le réconfort de la lumière. » Il insiste par exemple sur la solidarité des détenus, le dévouement des médecins et multiplie les exemples de générosité et d'abnégation. Comment ne pas s'incliner devant la phrase de cette belle figure de chrétien engagé en politique, je cite Michelet, « Aucun langage ne traduira jamais la reconnaissance infinie de ceux qui connurent ainsi cette grâce de la transfiguration de leur souffrance et celle bouleversante du désarmement de la haine. » Fin de citation. Incidemment, je me souviens d'avoir lu des pages étonnantes de Teilhard de Chardin dans le même esprit à propos de la Première Guerre mondiale. Mais le grand écrivain chrétien que vous rêvez de mettre en face d'André Malraux dans un dialogue imaginaire est évidemment Georges Bernanos. Comme vous avez de la suite dans les idées, je ne doute pas que ce dialogue verra le jour. Bernanos est un des géants de la littérature française au XXe siècle. À la suite de Claudel, vous le décrivez comme un athlète de Dieu qui a mené une vie d'aventurier en famille avec ses 7 enfants, vous en avez 9, en faisant le sien le mot de Peggy, la plus grande aventure, c'est d'être père de famille. Il fut un homme d'un rare désintéressement et d'une rare intégrité. Ainsi, contrairement d'ailleurs à Edmond Michelet, se solidarisa-t-il avec l'Action française lors de sa condamnation par le Vatican en 1926, alors même qu'il commençait à prendre ses distances avec elle sur le plan idéologique, avant, bien plus tard, de s'en séparer pendant la guerre d'Espagne. Bernanos soutint De Gaulle dès la première heure. Le général qu'il admirait sans le connaître voulut le nommer ministre de l'Éducation nationale en 1944, ce qu'il refusa, comme il refusa tous les honneurs. À des niveaux divers, vous mettez en évidence d'autres correspondances entre Bernanos et Malraux, autour de la foi, bien sûr, ainsi également pour leurs réflexions parallèles sur la fin du roman ou encore sur la crise de la civilisation technicienne et son rejet de la transcendance.
Et n'oublions pas le thème de l'enfance. Pour Bernanos, il faut toujours garder sa part d'enfance et même mourir avec la naïveté de son enfance. Malraux, qui a détesté la sienne, écrit au sujet de Laurence d'Arabie « Il n'est pas de grand destin sans une part d'enfance », c'est-à-dire en effet de naïveté. Et de votre côté, vous pensez à la chanson de Jacques Brel « Vieillir sans être adulte » pour, dites-vous, triompher des sots et des méchants. Oserais-je avouer au passage que cette idée me plaît ? Beaucoup. Vous racontez qu'avant de mourir, Bernanos demanda à son fils Jean-Loup à rencontrer Malraux. La rencontre eut lieu et porta sur les camps. Avec les camps, dit le mourant, Satan a reparu visiblement sur le monde. De la part d'un témoin de la foi aussi crédible, pareille formulation n'est pas anodine. Alors, cher Hervé Guémard, c'est le moment de vous dire que nous l'attendons tous, votre dialogue imaginaire entre ces deux titans de votre panthéon. J'ai parlé des deux premiers événements fondateurs de votre matrice politique, la débâcle et l'exode de 1940, la Shoah. Le troisième est simplement une image, qui a d'ailleurs été récemment exhumée des archives à l'occasion du peu glorieux retrait des forces américaines de l'Afghanistan en août 2021. On ne soulignera jamais assez la puissance des images, généralement imprévisibles dans leurs effets, dans l'influence qu'elles peuvent exercer sur le cours des vents de l'histoire. Votre maturité politique était inhabituellement précoce. Vous racontez qu'à peine adolescent, dans votre petite patrie, au temps des élections, vous lisiez les professions de foi et scrutiez les panneaux électoraux. Vous étiez le Benjamin absolu dans les réunions publiques que vous avez commencé à fréquenter dès les élections législatives et cantonales de 1973. À 13 ans, c'était votre âge au moment des faits. À l'évidence, vous n'avez pas été traumatisé par la décolonisation en Afrique, grâce sans doute à votre gaullisme qui vous a permis d'en comprendre tant le caractère inéluctable que les nouvelles opportunités pour la France dans ce qu'on appelait alors le tiers-monde. Georges Pompidou et surtout Valéry Giscard d'Estaing avaient poursuivi les intuitions du général à cet égard. Au moment de la chute de Saïgon, nous sommes dans la séquence du nouvel ordre économique mondial ouverte après le premier choc pétrolier. Mais le tout jeune homme que vous étiez connaissait le discours du général à Phnom Penh le 1er septembre 1966. Il n'a pu que trouver dans la chute de Saïgon la confirmation des prévisions du grand homme, de très loin le seul des présidents de la Ve République à avoir développé une pensée élaborée et complète en matière de politique étrangère et de défense. Quand on y réfléchit de plus près, comment ne pas voir là une faiblesse majeure et redoutable des institutions voulues par le général de Gaulle, mais qui conviennent mal à d'autres que lui ? Un chef d'État qui décide tout seul dans le domaine dont j'ai parlé, sans véritable instance d'aide à la décision. Je n'insiste pas ici. En tout cas, vous aviez déjà l'idée du lien entre communisme et nationalisme, celui-ci étant plus fort que celui-là. D'où l'empreinte dans votre cerveau de la une de l'humanité, victoire. Et puis, votre inclination vers les grandes découvertes propulsait votre imagination bien au-delà de l'hexagone ou de sa proximité. L'Indochine, déjà, vous faisait rêver. Longtemps, il n'a manqué qu'une belle figure pour l'incarner à vos yeux. Vous avez l'art des rencontres en esprit, de la communion avec des êtres, j'allais dire des aventuriers, que vous n'avez pas connus. Cette belle figure, vous l'avez rencontrée des décennies après. Il s'agit de Bernard Fall. Vous n'aviez pas 7 ans quand il est mort. Pourtant, à votre manière, vous l'avez accompagné. De ce compagnonnage, vous avez tiré un récit magnifique publié il y a 3 ans, son titre « Un homme en guerre, voyage avec Bernard Fall ». Ce livre vous ressemble. Nul ne peut en donner un meilleur aperçu que vous-même. Et je vous cite. C'est un personnage et un destin qu'aurait aimé Romain Gary. Une vie qui va vite, traversée par les déchirements du XXe siècle.
Bernard Fall est l'une des légendes les plus secrètes et les plus attachantes parmi les reporters de guerre. Né en 1926 à Vienne, dans une famille juive, contraint de fuir après l'Anschluss, il se réfugie à Paris, puis à Lys, où il échappe à la grande rafle de la police de Vichy, qui sera fatale à ses parents. À 16 ans, il entre dans la Résistance. 2 ans plus tard, il décroche ses galons de lieutenant des FFI en Savoie. Traducteur au procès de Nuremberg, toujours en mouvement, conjurant deuils et blessures, il part étudier aux États-Unis, s'empare de la question indochinoise. Il multiplie les séjours en Asie du Sud-Est, s'impose comme l'un des premiers spécialistes de la guerre révolutionnaire et de la contre-insurrection, devient l'un des correspondants de presse les plus avisés et redoutés, surveillé par le FBI qui le prend pour un espion français. Avec l'Indochine puis le Vietnam, c'est une histoire d'amour dont il tirera des livres, notamment « Rue sans joie ». Plus qu'un titre, la rue sans joie est une région maritime au nord de Hue qui a le visage de la beauté mais reste un enfer pour les combattants. Bernard Fall y trouvera la mort le 21 février 1967 à 40 ans en sautant sur une mine. Dans la présentation de votre livre, on lit encore ceci. Depuis longtemps, un pacte unit Bernard Fall à Hervé Guémard. Il, Hervé Guémard, est parti sur les traces de ce frère d'armes et de larmes, à Vienne, en Ukraine, à Lys, en Savoie, à Washington, au Vietnam. Un récit de voyage sur cet aventurier, universitaire soldat, toujours en marge, figure ardente de la liberté et de la vérité dont on aurait voulu faire son meilleur ami. Cher Hervé Guémard, je songe au célèbre blues du businessman dans Starmania, à la chanson de Michel Berger et Luc Plamondon, « J'aurais voulu être un artiste ». Je ne chante pas. Alors. À ceux qui pouvaient encore en douter, la lecture de votre récit sur Bernard Fall, la manière dont vous en parlez, comme d'ailleurs de vos autres compagnonnages virtuels, la manière plus généralement dont vous parlez de votre passé, comme si vous étiez né longtemps avant votre naissance, tout cela nous dit que vous auriez voulu être un artiste de la pensée et de l'action, un aventurier, universitaire soldat, pour reprendre vos propres paroles, un grand reporter historien, bref, que vous auriez voulu participer à une grande aventure auprès de grands hommes en un temps fort de l'histoire. Votre intérêt pour le métier d'éditeur s'inscrit dans la même veine, du moins dans la sphère de l'imagination. Je pourrais continuer encore longtemps de parler de votre quête du beau, du bon et du vrai, au-delà des noirceurs de la vie, de vos méditations toutes gaulliennes sur le caractère vertu des temps difficiles ou de vos réflexions sur la peur. Surmonter ses propres peurs est la première des conditions pour pouvoir s'engager dans les combats. J'aime cette remarque extraite d'une de vos conférences. Témoigner d'une capacité à surmonter ses peurs intérieures, c'est aussi le propre de la figure d'autorité, ce qui fait sa force d'entraînement vis-à-vis des autres, le ressenti que donne à éprouver l'homme d'autorité à travers la parole qu'il prononce, produit sur celui qui l'entend comme un effet de soulagement de la peur. Vous évoquez aussi l'effet galvanisant de la parole d'un véritable chef. Vous dites qu'on peut lutter contre la peur, le mensonge et la laideur par l'amour, la vérité et la beauté. Sur un autre plan, il m'aurait plu de creuser un aspect de votre rapport à la littérature qui souligne aussi votre attrait pour la liberté, motif sans doute le plus noble d'un engagement politique selon vous. Il s'agit du fait qu'à rebours des pratiques courantes, vous aimez découvrir par vous-même vos auteurs plutôt que de vous laisser imposer vos lectures par autrui. Vous êtes inépuisable sur Alexandre Vialat ou Guy Dupré et votre enthousiasme est communicatif. Dans un genre différent, je pense au magnifique croquis de mémoire de Jean Cau. Votre soif de liberté pour les choses de l'esprit va de pair avec celle du grand large, de l'aventure et, je le souligne, de l'admiration, car parmi vos vertus, il y en a deux qui, d'ailleurs, constituent un couple, la capacité d'admirer et la fidélité. À quoi s'ajoute la reconnaissance. Tout cela fait de vous, plus encore à mes yeux, que la personnalité accueillie aujourd'hui sous cette coupole, un personnage singulier et attachant. Mais il y a votre vie en deçà des rêves et des songes. Votre belle carrière, sur laquelle jusqu'ici
je ne me suis guère étendu. Je vais donc maintenant la brosser à grands traits, laissant à vos futurs biographes le soin de faire le reste, en leur recommandant toutefois, s'ils me lisent, de ne pas négliger l'essentiel, c'est-à-dire vous. Après votre bac au lycée Jean Moulin d'Albertville, vous réussissez le concours d'entrée à Sciences Po. Vous en sortez diplômé en 1980. J'ai déjà parlé de votre passion précoce pour la politique. La politique, dans l'acception la plus noble du terme, est vraiment votre vocation. Vous avez toujours aimé les gens. Le cynisme vous est radicalement étranger. Vous n'en savez pas moins qu'en démocratie, la légitimité s'acquiert par l'élection. Mais avant de franchir le pas, il vous fallait un métier, ne fût-ce que pour devenir libre financièrement. En montant à Paris, vous ignoriez l'existence de l'ENA. Vous y êtes reçu en décembre 1982. L'ENA va vous permettre de vous initier à la pratique du service public. La politique fait naufrage quand elle n'est pas à la fois servie et tempérée par une administration formée à cet effet, assise sur une éthique irréprochable, non partisane et dévouée à sa tâche. L'une des dérives de la France contemporaine est que, depuis quatre décennies, sa haute administration a perdu sa boussole en se laissant infecter par le partisanisme et le côté destructeur de la vague de mondialisation libérale, la tentation de l'argent ont également contribué à son affaiblissement. L'année 1983 est celle de votre service militaire, dans lequel vous vous investissez avec enthousiasme. Vous servez dans l'arme blindée cavalerie. Vous vous êtes toujours intéressé pour les affaires militaires, pour lesquelles vous avez développé une véritable compétence. Vous êtes colonel de réserve. 1984 est l'année des stages à Strasbourg, Mayotte et La Réunion surtout, qui vous marqueront pour toujours. Ce furent vos premières aventures dans le grand large. Dans toutes vos fonctions ministérielles et généralement dans toute votre vie politique publique qui se poursuit, vous vous êtes préoccupé des Outre-mer. Vous entrez au ministère des Finances en 1986. 1986 est l'année de votre mariage avec Clara Lejeune, elle-même énarque, sortie dans la Cour des comptes. Vous aurez 9 enfants qui sont tous là. Vous levez la main, là ? Je me souviens avec émotion de votre beau-père, l'illustre professeur Jérôme Lejeune, élu par notre compagnie en 1981. Il est mort prématurément le 3 avril 1994. Il doit être fier de vous savoir ici. Vous êtes affecté d'abord à la direction du budget, successivement chargé de la défense et des lois de programmation militaire, ce qui n'a pas dû vous déplaire, puis de l'environnement et de l'aménagement du territoire. 1990 est l'année décisive où le monde est sur le point de se métamorphoser après la chute du mur de Berlin et le début du tsunami néolibéral qui va pulvériser la conception française traditionnelle du bien commun. C'est alors que vous partez au Caire comme attaché financier pour le Proche et le Moyen-Orient, à l'ambassade de France. Vous vous engagez pleinement dans votre travail, mais surtout, si j'en juge par vos témoignages, vous vous immergez dans la magie de l'Orient et de nos racines communes. À votre retour d'Égypte, c'est le moment où nous nous sommes rencontrés, vous décidez de quitter l'administration pour l'action politique. Le temps du collage d'affiches était passé depuis déjà longtemps. Tout dans l'action est affaire de kairos, de moments propices. L'heure est venue de franchir le pas. Dans votre quelque part, bien sûr. Vous connaissez Michel Barnier depuis 1973, l'année même où il s'est lancé en politique. Vous aviez 13 ans, lui 22. C'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier. Vous êtes son suppléant en 1993. Cette année-là, il entre au gouvernement Balladur et entame ainsi une carrière gouvernementale et européenne qu'il a maintenant poursuivie pendant près de 3 décennies sans interruption. Vous voilà donc député à 33 ans et vous le resterez jusqu'en 2017, quand vous jugerez, sans doute à juste titre, dans les circonstances étonnantes d'alors, le moment venu de quitter la politique, la vie politique nationale. Sur le plan gouvernemental, c'est Jacques Chirac, pour lequel vous étiez pleinement engagé, qui vous a propulsé. Vous lui en serez toujours
reconnaissant. En plus d'un travail parlementaire d'une grande richesse, dont je n'ai hélas pas le temps de parler, vous avez en effet amorcé une trajectoire ministérielle prometteuse aussitôt après l'élection présidentielle de 1995. Secrétaire d'État aux Finances dans le gouvernement Juppé 1, mai-novembre 1995, puis à la Santé et à la Sécurité sociale auprès de Jacques Barrot dans le gouvernement Juppé 2, jusqu'à la dissolution ratée de 1997. Vos liens avec Alain Juppé, dont je salue la présence cet après-midi parmi nous, sont ceux de la fidélité et de l'amitié. Après la réélection de Jacques Chirac, vous voilà ministre de l'Agriculture, de la Pêche et du Développement rural, entre mai 2002 et novembre 2004, puis ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, novembre 2004, février 2005, dans les gouvernements Raffarin. Votre livre « La route des Chapieux » date de novembre 2004. Vous êtes alors très en vue. Ces fonctions ministérielles, vous les avez exercées de manière exemplaire, en laissant partout votre marque. Ce n'est ni le lieu ni le moment d'entrer dans les détails. On peut imaginer ce qu'aurait pu donner la poursuite de l'ascension du montagnard que vous êtes. Mais la politique n'a pas que la face solaire des songeries de l'enfant, puis de l'adolescent que vous fûtes, et que le Bernanosien que vous êtes n'a jamais renié. Elle a, plus manifestement encore que dans les autres activités humaines, sa face ténébreuse où s'expriment les vices les plus laids, la haine, la jalousie, l'invidia. À 44 ans, sans doute insuffisamment préparé à vous battre contre la sournoiserie, vous en avez fait la sévère expérience. À la nouvelle de votre démission, Jean-Claude Killy, ici présent, a conclu le message qu'il vous a envoyé en disant « Et pourtant, c'est le pays qu'on aime ». Mais je ne vous ai jamais vu céder à l'amertume. Vous n'avez jamais cessé de vous investir dans la politique locale, c'est-à-dire dans ce quelque part d'où vous venez avec lequel j'ai ouvert mon propos. Vous avez présidé le Conseil général de Savoie, de la Savoie, de 1999 à 2002, à l'époque du gouvernement Jospin, puis sans interruption depuis 2008. Vous vous dites heureux d'être élu dans le même canton que Joseph Fontanet, une très belle personnalité pour laquelle vous avez toujours nourri une grande admiration. J'ajoute que vous êtes légitimement fier d'avoir gagné toutes les élections, une douzaine auxquelles vous avez été candidat sur votre nom et souvent au premier tour. Oui, vous êtes un homme politique dans l'acception la plus noble. Vous êtes ancré dans un territoire dont vous aimez les gens et qui le savent. En même temps, par votre parole, vos écrits, vos activités, comme pendant un temps la présidence de l'Office national des forêts ou actuellement celle de la Fondation Charles de Gaulle, vous poursuivez votre quête du bien commun à toutes les échelles. Et je résiste ici à la tentation de gloser rapidement sur la question de l'interdiction du cumul des mandats, dont une interprétation insuffisamment réfléchie a certainement contribué à l'émergence d'une Assemblée nationale hors sol en 2017. Avant de conclure, je tiens encore à attirer l'attention de nos confrères et des personnes ici rassemblées en votre honneur sur votre longue préface intitulée « La face allemande d'une vie française » pour une réédition en 2018 de « La discorde chez l'ennemi », le premier livre de Charles de Gaulle publié en 1924. Il avait alors 34 ans. Dans ce texte remarquable, vous ne résistez pas à l'envie de parler des qualités littéraires de l'homme du 18 juin, mais là n'est pas l'essentiel. Le but du livre est d'analyser les causes profondes de la défaite de l'Allemagne en 1918, alors qu'elle aurait dû gagner. Dans une jolie formule, vous rappelez que la complexité des événements historiques réduit à la cuisson du temps qui passe. Vous posez la thèse centrale du livre. L'Allemagne a perdu la guerre car, sous le masque de fer de l'Imperium wilhelmien, elle était en réalité profondément divisée, ce qui ne lui a pas permis de concentrer ses forces spirituelles et matérielles et l'a conduit à perdre le sens commun.
Selon de Gaulle, les principaux facteurs de cette division furent la désobéissance de von Kluck en 1914, la déclaration de guerre sous-marine à outrance de février 1917, l'absence de coordination des états-majors allemands et austro-hongrois, enfin le fait que le Deuxième Reich était une confédération de 25 États, donc fragile. Ce sont les dérapages de la politique intérieure qui expliquent qu'au début de 1918, je vous cite, « l'opinion est excitée par une presse qui accrédite la vraisemblance de buts de guerre, démesurés, j'insiste, buts de guerre démesurés, et désormais à portée, comme l'annonce Hindenburg au correspondant de guerre en février de 1918, je vous promets une victoire rapide et complète. Hindenburg, février 1918. À partir de la contre-offensive de Pétain, tout va se déliter. À la lecture de la discorde chez l'ennemi, on sent, écrivez-vous, que de Gaulle a vécu ces événements, car il était encore en captivité en Allemagne, dont il ne rentrera que le 3 décembre 1918. On comprend mieux alors, c'est toujours vous qui parlez, son sang-froid et sa lucidité en mai-juin 1940, car il sait ce qu'est une débâcle, fut-elle celle de l'ennemi. Et vous introduisez ainsi cette réflexion qui s'étend jusqu'à notre présent. De ces événements décrits avec un luxe de détails dont l'intérêt demeure intact, Charles de Gaulle procède à un tamisage rigoureux pour en extraire des lignes de force qui orienteront son action future et reviendront obsessionnellement dans ses écrits et discours à venir. L'exigence de l'unité, la primauté du pouvoir civil sur le pouvoir militaire, l'injonction de préparer la prochaine guerre et non pas la précédente. Cet horizon, écrivez-vous, ne peut être atteint que par la sublimation d'un équilibre empreint de classicisme qui mêle l'ardeur et la mesure, l'audace et la discipline, l'autorité et la liberté, qui constituent l'essence de la France dans ses meilleures et si fugitives grandeurs. Comme de Gaulle, vous enfoncez le clou sur l'unité, je vous cite, « difficile à atteindre, encore davantage à maintenir, car c'est sur une ligne de crête qu'elle trouve son équilibre ». Vous citez l'évangile de Matthieu. « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. Aucune ville, aucune famille divisée contre elle-même ne se maintiendra. » Matthieu, chapitre 12, verset 25. Toujours à la suite du général, vous affirmez que l'antidote absolu à l'hubris réside dans les règles de l'ordre classique, ce sens de l'équilibre, des possibles, de la mesure, qui, seul, rend durables et fécondes les œuvres de l'énergie. Ceci vous conduit à présenter une analyse très fine de la relation franco-allemande jusqu'à nos jours, sans jamais en sous-estimer les difficultés, comme à propos du traité de l'Élysée du 22 janvier 1963, dont on vient de commémorer le 60e anniversaire. Tout ce que vous avez écrit dans cette préface porte la marque de l'homme d'État que vous auriez pu être dans des circonstances favorables. Votre texte gagne à être lu et relu, alors qu'au-delà du fragile consensus du moment, la guerre d'Ukraine et ses suites laissent craindre la désunion de l'Europe. C'est pourquoi je vais encore citer quelques lignes à la fin de votre texte. Il faut se démaquiller de nos illusions pour dérouler l'implacable feuille de route sans laquelle l'Europe entrera définitivement dans les faubourgs de l'histoire. La France doit regagner son autonomie stratégique, qui ne peut être seulement militaire et nucléaire, en recouvrant sa puissance économique et son unité nationale, qui passe, comme en 1958, par une profonde réforme intérieure et la volonté d'écrire une nouvelle page d'une histoire réconciliée. L'Allemagne doit intégrer la charge mentale de sa puissance politique, maintenant qu'elle est dans son assiette territoriale pour la première fois dans son histoire. Les dirigeants français et allemands doivent avoir l'audace de proposer aux autres nations européennes un projet politique au meilleur sens du terme qui serve les aspirations de l'homme en quête de sens. C'est le moment. La France et l'Allemagne sont devant l'histoire. » Fin de citation. Cher Hervé Guémard, l'Académie des sciences morales et politiques vous est familière depuis longtemps. Vous deviez la rejoindre. Elle vous a fait une élection de maréchal.
même si vous préférez sans doute 2 étoiles à titre temporaire, convenez que 7 étoiles, ce n'est quand même pas mal. C'est ici que nous nous sommes rencontrés il y a plus de 30 ans. Plusieurs fois, vous avez contribué à nos travaux. Dès 2001, j'avais fait appel à vous. C'était mon année de présidence consacrée au thème « La France du nouveau siècle ». Votre communication était intitulée « Engagement politique et nation ». Votre première phrase, « Le délitement de l'engagement politique, l'ère du scepticisme dont notre époque présente de nombreux symptômes, semble aller de pair avec l'affadissement du lien national ». Vous vous demandiez comment parler aux Français, comment réenchanter la nation française, lui redonner le sens de la voie à suivre. Celle que vous avez suivie dans le monde tel qu'il s'est présenté à vous est conforme aux aspirations de votre enfance et de votre jeunesse. Vous êtes resté fidèle à Malraux, à Bernanos, à De Gaulle, à vos amis. Il y a du romantisme dans votre personnalité. Vous vous êtes beaucoup intéressé à Chateaubriand, à son sujet. Vous avez laissé le mot de la fin à Albert Thibaudet. L'ambition politique fut la plus forte ambition de sa vie. Ses déceptions nourrirent sa verve. Puissent vos déceptions nourrir la vôtre. Puissiez-vous continuer de retourner votre fond de mélancolie au profit de l'avenir. Nous vous accueillons, éternel jeune homme, à bras ouverts. Nous comptons sur votre foi pour contribuer ici à entretenir la flamme de l'espérance. Bienvenue, Hervé. Merci, chers confrères, pour cet impressionnant discours. Avant de donner la parole à Hervé Guémard, nous allons écouter le second intermède musical, l'Ave Verum Corpus de Mozart. Mais j'appelle votre attention sur le fait que non seulement vous avez pu repérer les enfants de Clara et d'Hervé il y a un instant, puisque Thierry les avait invités à lever la main, mais ce sont 2 autres voix de la famille que nous allons écouter maintenant, Marie-Lou Jacquard et Thaïs Guémard-Drozdowski. Nous vous écoutons.
Je donne maintenant la parole à Hervé Guémard pour la lecture de la notice sur la vie et sur les travaux de Mgr Etchegaray. Il est un mystère du service de Dieu, peut-être d'une autre nature encore que le mystère de la foi, car il engage toute une vie en s'emparant subitement d'une âme. Florence Delay l'a si bien saisi en écrivant « Tout ce qui vient d'en haut est inexplicable. La lumière qui resplendit soudain sur le chemin de Damas s'enroule autour de Saül, le fait chuter et le transforme en Paul. La flèche qui traverse un pilier de Notre-Dame et troue le cœur de Claudel. Rien d'aussi transcendant n'a, semble-t-il, saisi Roger Etchegaray, qui a toujours été d'une grande pudeur sur sa vocation, ce raccourci de l'impossible, selon Pierre-Emmanuel. Pas de foudre céleste pour dissiper des tourments intérieurs apaisés par une lumière providentielle, même si le pasteur infatigable laissera échapper, dans un détour de conversation, cette confidence vite ravalée. Un jour, nous avons tout risqué pour Jésus-Christ. À l'écouter, pourtant, un chemin d'évidence. Ma vocation, ou plutôt mon désir d'être prêtre, a surgi le jour de ma première communion. J'avais à peine 7 ans, rien de moins miraculeux, rien de plus flou. Je voulais simplement devenir comme le prêtre qui me donna ce jour-là le corps du Christ. J'étais incapable de préciser cette sorte d'appel intérieur. Toute ma vie a été une constante réponse à un constant appel pour accomplir la volonté de Dieu découverte pas à pas. Troublante simplicité que l'on recouvre dans la description de son propre parcours. J'avance comme l'âne de Jérusalem, dont le Messie, un jour des rameaux, fit une monture royale et pacifique. Je ne sais pas grand-chose, mais je sais que je porte le Christ sur mon dos et j'en suis plus fier que d'être basque. Il avait fait sien ce secret de conduite de saint François de Sales. Là où Dieu nous a plantés, il faut savoir fleurir. Que dire de plus pour évoquer cet ami des hommes, ami de Dieu, pour reprendre la belle expression de son ami Michel Cantsu, qui est parmi nous et que je salue. Tenter de faire son éloge, c'est découvrir pas à pas un beau chemin de vie, édifiant de simplicité et de vérité, d'autant plus délicat à parcourir que je n'ai pas eu le privilège de le connaître. Il n'y a jamais de hasard, mais des rendez-vous, même si cette citation de Paul Éluard est, semble-t-il, apocryphe. Nous aurions pu donc nous rencontrer, d'abord en Savoie, bien sûr, en Haute-Maurienne, où il célébra la messe au col du Mont-Cenis, ou dans ma Tarentaise natale, où il venait chaque année, depuis 1956 et jusqu'en 2004, skier à Courchevel et célébrer la messe de Pâques dans l'église de Saint-Bon, où son ami, le père Henri de Bernard, copain d'enfance de mon père, officia pendant 50 ans. C'est dans cette petite cure qu'il a pris fin mars 69 qu'il était nommé évêque par Paul VI. Son moniteur de ski, Eugène Munier, se souvient d'un homme solide, simple et vrai, qui aimait le hors-piste et les repas roboratifs. C'était un montagnard averti, il a fait l'ascension du Mont Blanc avec Lionel Terray, ainsi que l'Alphubel dans les Alpes valaisannes. Il partageait cette passion de la montagne rédemptrice avec Jean-Paul II, familier du glacier du Ritor en Vallée d'Ost, qu'il avait convaincu de venir dévaler avec lui la Saulire, mais ce séjour fut annulé au dernier moment. J'aurais pu également le croiser au Soudan en mars 91, où je me rendais parfois quand j'étais en poste à l'ambassade de France au Caire, sous la houlette du grand ambassadeur de France, Alain de Jamet. À Khartoum, avec sœur Emmanuelle, nous entendions parler
de son équipée périlleuse dans le sud, à Juba. Il me restera donc ce regret, vite oublié, grâce à la richesse des rencontres, la variété des paysages de sa longue vie et la fécondité des lectures qui ont fait surgir un homme vivant au sens de Bernanos qu'il citait souvent. Vivant, bien sûr. D'abord une figure, une réelle présence qui emportait tout par son charisme, ravissait ses amis et subjuguait les sceptiques par l'assurance naturelle que lui conférait sa foi, mêlée à une simplicité primordiale dont l'accent rocailleux et le béret basque n'étaient que la face visible. Un regard aussi qui vous saisissait et un sourire qui vous accueillait. Le vrai sourire, le sourire des yeux, pas celui de la bouche dont il faut toujours se méfier. Son courage physique semblait inné. Il en fit preuve à maintes reprises au Soudan, au Rwanda, en Bosnie. Le général d'armée Jean-René Bachelet, alors commandant du secteur de Sarajevo, dans le cadre de la forte prenue, m'a rendu ce témoignage. Je garde un souvenir lumineux de ma rencontre avec le cardinal Etchegaray en août 1995. Le siège de Sarajevo vivait son dernier épisode paroxystique. C'était un prince de l'Église, toute d'humilité rayonnante, dont me reste le regard bienveillant et pénétrant jusqu'au fond de l'âme. Prince de l'Église. Je ne suis pas sûr que Roger Etchegaray se reconnaissait dans cette désignation. De son ordination en 1947 à sa mort en 2019, il fut d'abord un prêtre, un pasteur, certes archevêque, certes cardinal, mais toujours par surcroît, même s'il ne fut jamais curé de paroisse. Créé cardinal, il fut le premier à refuser de lester sa dignité du traditionnel blason. Il disait « Je suis ce qu'on appelle un homme d'église, mot que je n'aime guère, car il fait penser à un homme d'appareil. » Il rappelait la boutade du père de Lubac à l'abbé Pierre quand il le confessa à la veille de son ordination. « Demain, quand vous serez étendu sur les dalles de la chapelle, ne faites qu'une prière à l'Esprit-Saint. Demandez-lui qu'il vous accorde l'anticléricalisme des saints. » Celui de son père, qui n'enlevait son béret basque qu'en entrant dans une église et ne se serait pas découvert devant le pape en personne. Il avait noté cette citation de François Mauriac dans un de ses carnets. « Oh, comme je les écouterais avidement, ces prêtres, s'ils me parlaient du Fils de l'homme, non pas en sociologue, non pas en théologien, mais comme ceux qui voient, qui touchent le Christ ressuscité. » Le Pays basque, Marseille, Rome furent les ancrages qui lui permirent d'accéder à l'universel, d'aimer et comprendre les hommes et le monde dans sa quête inextinguible d'en sentir battre le cœur. Basque, bien sûr. Quand je veux bien connaître quelqu'un, je cherche toujours à découvrir quelles sont ses racines, de quelle terre elles se nourrissent. Telle racine, tel arbre, tel village natal, tel homme. Il appartenait à ce peuple tenace, gardant avec l'énigme de sa provenance la foi, la tradition et le langage des ancêtres, ainsi caractérisé par Pierre Loti. Il faut donc aller à Espelette, où il est né en 1922, remonter Carica, la rue principale jusqu'à Choco Maitea, qui signifie le coin aimé. Cette maison où il a grandi, dans une famille aimante venue de la campagne, dans le bruit de l'atelier de son père, pleine d'hôtes de passage, ces gens de rien qui savaient tout, cette religion qui imprégnait les travaux et les jours, des processions rituelles aux signes de croix que l'on trace sur le pain avant de l'entamer.
où l'on entend parler d'un enfant du pays qui intrigue, Saint François-Xavier, dont l'épopée en Inde et au Japon fait déjà rêver, et d'un voisin d'Outre-Bidassoa qui impressionne, Ignace de Loyola. Tangle de gloire et d'humilité entrelacées, Roger puisait dans ses racines pour en tirer cette sagesse basque immémoriale « Tu sais assez si tu sais vivre ». À 12 ans, il entre au petit séminaire d'Ustaritz. Il revêt la soutane à 16 ans au grand séminaire de Bayonne. Il est ordonné prêtre à 24 ans dans l'église de son village natal au cours d'une cérémonie en basque et en latin. Ces années de formation sont des années de guerre. La retirada des réfugiés espagnols en 1939, la débâcle de mai-juin 1940, Radio Londres, qui écoute son père en cachette de l'officier allemand qui occupe une chambre réquisitionnée, la hantise du STO, la morsure de la faim. Et l'ivresse aussi, que procure la jubilation intellectuelle de découvrir le latin et le grec, la spéculation philosophique, l'étude des Écritures, mais aussi la découverte de Bergson, de Blondel, de Jankélévitch et de Daniel Lou et de Lubac, aussi auxquels Jacques de la Rosière a rendu le plus beau des hommages. Certaines frustrations l'assaillent, la morale réduite à une simple casuistique, une exégèse biblique trop littéraliste et l'absence de réflexion sur le rôle du prêtre dans un monde nouveau. Quand il rentre de Rome en 1949, après 2 années d'études supérieures à l'Université pontificale grégorienne, il est nommé secrétaire de Monseigneur Terrier, le nouvel évêque de Bayonne. Ce haut savoyard, évêque exemplaire de Moutier sous l'occupation, sera son premier lien avec la Savoie et le marquera profondément par ses qualités humaines et spirituelles. Rapidement chargé de l'action catholique, il imagine des chemins nouveaux pour l'évangélisation à l'écoute d'un pays qui change. Il poursuit et élargit sa mission à partir de 1957 auprès du nouvel évêque qui le nomme vicaire général en 1960. Dès janvier 61, il est appelé à Paris auprès du secrétariat des évêques de France. Il quitte donc son cher Pays basque où il ne reviendra désormais qu'en vacances et pour y passer les 2 dernières années de sa vie. Paris. Paris ne fut pas un ancrage, mais un passage, même s'il y résidera une décennie. Je me sentais tout petit dans le Grand Paris, mais sans tarder, je me suis mis à le sillonner dans tous les sens pour rencontrer les prêtres, les religieuses, les laïcs, les adultes, les jeunes, que découvre le tout nouveau, chargé des questions pastorales. Dans ces années qui précèdent Vatican II, la grande affaire de sa vie. Cette période le marquera profondément, aussi par la fréquentation des grands clercs de l'Église de France, Monseigneur Liénard, Monseigneur Garonne, Monseigneur Marty, par son exploration du monde politique. Il effectue également en quelque sorte son stage administratif, la structuration de l'Assemblée des évêques, le redécoupage territorial en 9 régions apostoliques, la réorganisation des diocèses de la région parisienne. Toujours en éveil, il fonde la pastorale du tourisme et des loisirs et s'implique encore davantage dans la pastorale des gitans qu'il avait créée à Bayonne en 1957. Évêque auxiliaire de Paris en mars 1969, le véritable tournant de sa vie est sa nomination comme archevêque de Marseille à l'avant-veille de Noël 1970, muni d'une lettre holographe de Paul VI, dont il dira toujours qu'il fut son pape. Il écrira plus tard « C'est à travers mes 14 ans de pastorale marseillaise que je relis et je déchiffre ma vie apostolique ». Il y a pour moi un avant Marseille et un après Marseille.
Marseille. À lire Alexandre Vialat, Marseille déjà présage Alexandrie. La civilisation impure et foisonnante de ces mers tièdes, mitonnée et trouble comme tous les liquides nourriciers. Quel est ce parfum de vie et de mort qu'on hume ici ? Il faut croire que le progrès n'est pas seulement dans l'hygiène, la religion du sens unique et le culte des passages cloutés, puisqu'on respire sur le vieux port, plus fort que dans les temples nordiques, l'odeur mêlée de la civilisation. Marseille comme métaphore. Comme la Sicile de Pirandello, la Corse de Rinaldi, Saint-Pierre et Miquelon d'Eugène Nicole, l'Altipiano d'Asiago de Mario Rigoni Stern, la Durance de Giono ou Haïti de Dany Laferrière. Elle saisit le basque au mi-temps de sa vie et transforme le pasteur qui ne peut retenir son amour. Écoutons-le. Coquette et farouche à la fois, elle ne se laisse apprivoiser que peu à peu, plus par ce qu'elle ne dit pas que par ses paroles. Le Marseillais est d'autant plus volubile qu'il veut être pudique. Il n'y a que chez nous qu'on arrive à être secret avec exubérance. Et puis quel monde, c'est Marseille ! C'est l'univers entier qui est repêché ici, non pas en miniature dans une bouteille, mais bien vivant et frétillant avec ses couleurs et ses odeurs des cinq continents. Il comprend très vite, comme le général de Montsabert, en août 44, à la tête de ses goumiers, que la bonne mère a tout fait. Tout Marseille est propriété de la bonne mère, qui règne partout, et personne, même pas l'archevêque, n'oserait y toucher. Et il va jusqu'à l'invoquer pour un match de l'OM. Il cisèlera sa déclaration d'amour. Ce peuple de Marseille qui a sa mémoire, son hérédité, ses cicatrices, sa tendresse, ses rêves d'avenir, je l'aime à la folie. Au volant de sa deux chevaux, il parcourt en tous sens son archevêché. Il passe d'une veillée avec les gitans, Inti, Manouche ou Yenich, à la célébration de Cameroun avec les légionnaires d'Aubagne. Comme un élu local, il tient sa permanence tous les mardis matins sans rendez-vous, du vrac et sans emballage, c'est la vie ordinaire, notera-t-il. Et chaque semaine, il cisèle un court éditorial à la portée de tous dans le bulletin diocésain, dont la profondeur le dispute à la simplicité. C'est pendant ces années marseillaises qu'il devient un personnage public. Il passe au journal télévisé quand il prend une position courageuse face au déferlement de haine raciale à l'encontre des Algériens à la suite du meurtre d'un traminot, ce qui lui vaut d'apparaître un demi-siècle plus tard dans un polar de Dominique Manotti, Marseille 73. Il parfait aussi sa pratique des relations avec les élus, notamment avec Gaston Defferre, qui tient la cité phocéenne par de multiples fils et avec lequel il entretiendra de bons rapports, qu'il résumera ainsi. « Vous n'avez pas de sabre, je n'ai pas de goupillon. Mais ensemble, vous par mandat, moi par mission, nous portons la même passion de servir Marseille dans l'indépendance et l'estime réciproque de nos deux charges distinctes et complémentaires. » Peggy disait que le spirituel est couché dans le lit de camp du temporel. J'ai plaisir à témoigner qu'à Marseille, tout est bien ajusté. Et c'est dans cette ville-monde qu'il met en pratique une de ses plus profondes intuitions, l'œcuménisme et le dialogue interreligieux. Avec la deuxième communauté israélite de France, avec les musulmans d'Afrique du Nord et des Comores, avec les Arméniens, avec les orthodoxes, avec qui il proclame Christos Anesti le jour de Pâques, et bien sûr avec les protestants également. Le ministère
de Roger, que beaucoup de Marseillais tutoient spontanément comme un ami d'enfance, change alors de dimension. Pour preuve, l'archevêque passe de la 2 chevaux Citroën à la 4L Renault, réputée mieux gravir les sommets. En toute logique, son parcours national, puis romain, se déploie. Président de la Conférence des évêques de France en 1975, il doit faire face au schisme de Mgr Lefebvre, ainsi qu'à l'offensive du Parti communiste qui renouvelle 40 ans après Maurice Thorez la main tendue aux chrétiens, avec un interlocuteur qu'on verrait dans un rôle un peu moins affable, j'ai nommé Maxime Grémetz. Dans les deux cas, il remet l'Église au cœur du village, dissipant toute ambiguïté. En juin 80, il accueille Jean-Paul II pour sa première visite en France. Il se désole du public clairsemé sous le crachin à la messe du Bourget, mais se félicite de la force du message adressé à la fille aînée de l'Église. Un an plus tôt, il avait été créé cardinal par le nouveau pape, son ami Jean-Paul II, et devient à ce titre titulaire de sa première paroisse romaine, Saint-Léon le Grand. Personne n'est surpris, sauf lui peut-être, quand il est appelé à Rome 5 ans plus tard auprès du Saint-Père. Je suis né à Jérusalem, pas simplement à Espelette. J'ai donc 2 patries qui doivent se rejoindre et constituer l'unité de ma propre vie, déclara en 2008 Roger Etchegaray. Mais c'est finalement à Rome et pas à Jérusalem qu'il passa 40 années de sa vie. Il avait découvert la ville éternelle en 1947 pour suivre pendant 2 ans les cours de l'université pontificale grégorienne où il avait soutenu sa thèse en latin. Son chemin avait croisé un jeune prêtre polonais, Károly Wojtyła, et de nombreux congénères africains et chinois. Il reviendra régulièrement sur les bords du Tibre, notamment en 1950 pour l'année sainte, puis surtout entre 62 et 65 pendant ce concile Vatican II, qui fut pour lui un sommet et une sommation. Dieu conduit son Église à un sommet pour lui montrer de là-haut la route à suivre et interpeller chacun au plus intime de son être. Il participe de grand cœur à ce bouillonnement spirituel, comme en témoigne le journal du Concile du Père Congar. Il anime chaque vendredi une réunion informelle d'une 30aine d'évêques de toutes nationalités, dont il rédige un compte-rendu en latin transmis à Paul VI et à lui seul. Il retrouve Karol Wojtyła, désormais jeune évêque auxiliaire de Cracovie, et le père de Lubac, à la table de René Brouillet, l'ambassadeur de France près le Saint-Siège, auquel il succédera à l'Académie des sciences morales et politiques en 1995. Il fait la connaissance de Don Elder Camara et de Joseph Ratzinger, vers qui vont nos pensées, son futur confrère dans notre compagnie, qu'il protégera courageusement au point de faire une chute et de subir une fracture du col du fémur lors d'une bousculade dans la basilique Saint-Pierre le 24 décembre 2009. Notre regretté confrère, Philippe Levillain, nous manque pour évoquer ce concile dont l'ombre portée a pu dépasser, voire gauchir, le contenu des textes adoptés. Dans cette décennie tempétueuse qu'ont vécu l'Église et toute la société. De retour à Paris, devenu directeur du secrétariat général de l'Épiscopat, Roger Etchegaray auscule toutes ses convulsions, notamment en mai 68, mais gardera toujours le cap. Le simple prêtre qu'il est encore prend la liberté d'écrire au général de Gaulle le 23 mai 68, lui apportant, je cite, « l'assurance d'une prière simple et fervente et attendant
avec confiance la parole clairvoyante qui découvre les richesses contenues dans la poussée dérivante des événements actuels et la parole humble qui fait appel à la remise en question de tous, gouvernants et gouvernés. Le général prendra le temps de lui répondre le lendemain de son retour de Baden-Baden. Le 25 juin 68, Roger Etchegaray présente un rapport substantiel sur les événements de mai 68 devant le Conseil permanent de l'Épiscopat qui mériterait d'être publié. C'est donc en 1984 qu'il devient un des 550 citoyens du Vatican et s'installe à Rome quand Jean-Paul II l'appelle pour prendre la charge de deux dicastères, justice et paix, chargé de promouvoir l'essor des régions pauvres et la justice des nations dans l'esprit de la doctrine sociale de l'Église, et cor unum, chargé de l'assistance humanitaire, notamment avec ses deux fondations, une fondation pour le Sahel et une autre pour l'Amérique latine. Roger Etchegaray avait déjà beaucoup pérégriné en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, dès le milieu des années 60. En 20 ans, il fera plus de 200 voyages, comme l'a recensé son biographe Bernard Lecomte. Rome fut donc son port d'attache et le monde son diocèse. Il interpelle les puissants. Michel Cantsou, alors président du Fonds monétaire international, sur la question de la dette et de la financiarisation de l'économie. James Wolfensohn, ce très attachant président de la Banque mondiale que Jacques Chirac avait convaincu de remettre l'agriculture au premier rang de ses priorités, Klaus Schwab à Davos. Il participe aux nombreux sommets thématiques de l'ONU et intervient également à l'Organisation internationale du travail. Il devient, au fil de ses riches expériences, un diplomate de haute volée, car Jean-Paul II décide d'en faire son représentant personnel pour des missions sensibles. Dans ses rapports de mission au Saint-Père que j'ai pu lire, en quelques pages, il expose dans un style clair les lignes de force de situations inextricables. C'est ainsi qu'il rencontrera notamment Mikhail Gorbatchev, Václav Havel, Mengistu, Yasser Arafat, Shimon Peres, Frédéric de Klerk, Nelson Mandela, Fidel Castro, à trois reprises, qui le reçoit en pleine nuit, comme aiment à le faire tous les dictateurs, et lui dit « En vous rencontrant, je comprends que le pape nous a envoyé son représentant le plus dangereux. » Saddam Hussein aussi, à la veille du déclenchement de la guerre américaine de 2003, au retour de sa mission, il proposera en vain à Jean-Paul II de retourner à Bagdad pour partager les souffrances du peuple irakien. Il s'impliquera beaucoup aussi dans la reconstruction matérielle et spirituelle des églises de l'Europe de l'Est après la chute du mur, ce qu'il avait évoqué dans une conférence devant notre compagnie en 1995 et qui est resté dans toutes les mémoires. Le conflit des Balkans le mobilisera beaucoup. Il est en 1991 en Bosnie et en Serbie, en 92 à Sarajevo puis à Mostar, en 93 à Banja Luka, en 94 pendant le blocus de Sarajevo puis à Belgrade, en Bosnie encore le 14 août 95, où il célèbre la messe à 200 mètres de la ligne de front sous le crépitement des balles. Il ne ménagera pas non plus sa peine en Amérique centrale et latine, notamment au Chili à la fin de la dictature, au Salvador en guerre et en Haïti, qui demeurera dans son cœur jusqu'à son dernier souffle, contemplant chaque jour à Rome, puis à Cambo-les-Bains, un tableau de ce beau peuple d'artistes et de poètes qui avait déjà tant fasciné Malraux et Breton. Il était également tombé amoureux de l'Afrique dès 1964 à Dakar
et il parcourra le continent en tous sens pendant plus de 40 ans, s'impliquant particulièrement dans le développement du Sahel, le Sud-Soudan, l'Afrique du Sud de la fin de l'apartheid. Et c'est au Rwanda où le pape l'envoie dès mars 1993, sentant la guerre venir, qu'il donnera toute sa mesure, en suivant ce qu'il a appelé le plus grand chemin de croix de ma vie. Fin juin 1994, au cœur du génocide que Jean-Paul II est le premier à qualifier ainsi, il est le seul à parcourir tant la zone tenue par le gouvernement que celle tenue par les milices de Paul Kagame. Il reviendra souvent dans ce pays meurtri, tant par devoir que par amour. En juin 2001, il célèbre la messe devant 30 000 fidèles. Je cite « On ne peut bien voir qu'avec des yeux qui ont pleuré. On n'écarte pas d'un revers de la main, comme pour un moustique, le bourdonnement d'un génocide. Cette mémoire est conforme aux exigences de la justice et on ne peut s'en passer. Mais elle ne saurait cependant devenir ruminante, obsédante. Nul ne peut rester prisonnier de son passé, si lourd soit-il. » Il eut aussi un coup de cœur pour le Liban, et on le comprend, de son premier voyage en 1966 jusqu'à sa dernière mission officielle confiée par Benoît XVI en 2006. Il avait connu ce beau pays en paix, puis au cœur de la guerre civile en 1984, et toujours, il aura été aux côtés des chrétiens d'Orient dans le croissant fertile. Le 1er mai 2002, Jean-Paul II l'envoie à Bethléem. La basilique de la Nativité, où des Palestiniens se sont réfugiés, est envahie par des soldats israéliens. Une solution sera trouvée après 39 jours de siège. Les chrétiens d'Extrême-Orient mobiliseront également son énergie. La Chine, qu'il découvre en 80, où il fera 4 longs voyages, est une autre de ses passions, au point de lui consacrer un livre. Il doit traiter avec fermeté et doigté l'épineuse question de l'Église officielle inféodée au régime. Il se rendra aussi au Vietnam, en Corée du Sud, aux Philippines, à Timor et jusqu'au Samoa occidental. Quelle vie ! De ce foisonnement d'expériences émergent plusieurs lignes de force. D'abord, le courage intellectuel. Ouvert à la réforme, il n'a jamais cessé de garder le cap. Son sourire n'était assurément pas celui de la naïveté ni de la candeur, comme l'illustrent ses propos. Je cite « Nous devons veiller à ne pas glisser insensiblement, tout en gardant un vocabulaire chrétien, vers une gnose dont l'homme serait le héros et en définitive la victime. » Résonance de la déclaration souvent oubliée de Paul VI à l'issue de Vatican II. Méditons aussi cette injonction à lui-même. « Seigneur, apprends-moi à ne pas colmater les brèches, mais à les élargir pour en faire des chemins nouveaux, à ne pas bâtir l'Église comme un chantier bien programmé, mais à la laisser pousser comme une plante folle sous le soleil d'un Dieu imprévisible. » Ensuite, la passion de l'œcuménisme, dont j'ai déjà parlé à Marseille, qu'il ressent comme une injonction dès la sortie du séminaire, quand il lit l'ouvrage pionnier « Chrétiens désunis » du père Congar, et fait sienne cette réflexion du théologien Ratzinger, « Ne jamais perdre de vue qu'il n'y a pas de pratique optimale et qu'aucune Église ne peut vivre sans qu'y règne une patience réciproque. » Il s'implique dans les relations avec les orthodoxes pour traiter la délicate question des églises uniates en Ukraine et en Roumanie après la chute du communisme. Dès 1975, il avait été en relation avec l'Église russe, notamment le patriarche Alexis, dont il fut très proche. Enfin, né dans une terre de contact avec la Réforme, dans le Béarn voisin,
il s'attachera également à nouer des liens étroits avec les églises protestantes. Il s'impliquera beaucoup dans le dialogue interreligieux avec les Juifs d'abord. Dès 1947, il est marqué par le manifeste élaboré par Monseigneur Journet et le grand rabbin Jacob Kaplan, les 10 points de Zélisberg. Il est en fonction à Bayonne au moment de la lamentable affaire Finali, qui divisa la France entre 48 et 53, et il jouera un rôle discret et décisif dans son dénouement, c'est-à-dire la libération de ces 2 orphelins juifs, baptisés pendant la guerre pour échapper à la Shoah, alors séquestrés dans un couvent au Pays Basque espagnol. En 71, Paul VI le nomme au comité international de liaison entre l'Église catholique et les organisations mondiales du judaïsme. Après un long cheminement, il dira être né à Jérusalem, cette seconde citoyenneté qui, loin d'effacer la première, lui donne sa profondeur, son universalité. Un premier voyage en 66, 2 ans après Paul VI, puis en 85, comme représentant de Jean-Paul II, et 15 ans avant lui, il ira se recueillir au mémorial Yad Vashem. Il s'inscrit dans la pensée de Jean-Paul II, je cite, « La religion juive ne nous est pas extrinsèque, mais en un certain sens, elle est intrinsèque à notre religion. Nous avons donc à son égard des rapports que nous n'avons avec aucune autre religion. Vous êtes nos frères préférés et, dans un certain sens, nos frères aînés. » Lecteur précoce de notre ancien confrère Roger Arnaldez, sur lequel notre consoeur Chantal Delsol a tout dit, notamment 3 messagers pour un seul Dieu, il aura cherché à approfondir son interrogation vis-à-vis de l'islam qu'il avait vraiment découvert à Marseille. Et jusqu'à son dernier souffle, il sera bouleversé par le conflit israélo-palestinien qui ensanglante les terres trop promises des fils d'Abraham. C'est donc naturellement vers lui que Jean-Paul II se tourne pour l'organisation de la réunion interreligieuse d'Assises le 27 octobre 86, une rencontre de prière qui doit éviter le syncrétisme. Être ensemble pour prier et non prier ensemble. Toutes les religions et croyances du monde se retrouvèrent dans la cité du Poverello pour une journée de prière, de jeûne et de trêve des armes qui est demeurée dans tous les cœurs. Son engagement européen sera constant. En imaginant, à la faveur du Concile, des réunions périodiques des épiscopats européens de l'Atlantique à l'Oural, qui prennent forme dès 1971 sous la houlette de Paul VI, et dont le rôle fut renforcé par le grand européen que fut Jean-Paul II. Mais il était aussi très attaché à la France, dont il était la figure à la Curie. Dans sa messe à la France, le 10 juillet 2005 à Strasbourg, il déclare, je cite, « La patrie n'est pas une abstraction ou un préjugé, mais une réalité bien charnelle. Il trompe et se trompe celui qui prétend aimer les peuples lointains avec lesquels il ne vit pas et n'aime point son propre pays auquel il se frotte chaque jour. » Sa dernière mission fut l'organisation du Grand Jubilé de l'an 2000, auquel il se consacra entièrement, au cours de cette année où 25 millions de pèlerins prendront le chemin de Rome. Il accompagna Jean-Paul II dans son pèlerinage jubilaire. Sainte-Catherine, le Mont Sinaï, le Mont Nebo, Nazareth, Bethléem, Jérusalem, le lac de Galilée, Athènes, Damas, Malte, sans hélas pouvoir aller à Ur. Il le prolongera dans une veine œcuménique par Antioche, Alexandrie, Etchemiadzin, Constantinople, Cantorbéry, Wittenberg et Genève. Chacun a en mémoire cette messe célébrée par le Saint-Père le 12 mars 2000, où 6 cardinaux s'inclinèrent devant lui à lui demander pardon.
pour les fautes de l'Église au service de la vérité. Quelle vie ! L'air de rien, l'enfant d'Espelette aura gravi tous les échelons de la hiérarchie catholique et aura été comblé de tous les honneurs qu'il ne recherchait pas, non plus qu'il ne les évitait. Il était heureux d'avoir été élu dans notre compagnie, dans ce fauteuil qui fut occupé pendant près d'un demi-siècle par trois Romains, dont André-François Poncet, pour succéder au grand René Brouillet, qu'il admirait tant, au point de citer dans son éloge cette réponse de Charles de Gaulle à Jean Guiton, qui lui faisait remarquer qu'il avait un saint dans son entourage. Et le général avait répondu « Il y a un peu de cela ». Il regrettait, selon ses amis, d'avoir été dispensé de porter l'habit vert et accueillait toujours ses confrères à Rome avec beaucoup de chaleur, tel Haïm Corsia, qui le visita régulièrement à Cambeau-les-Bains jusqu'au dernier jour. Rien de grand ne se fait sans labeur, ni le goût d'autrui. Roger Etchegaray travaillait sans cesse. Il lisait tout. Il avait la religion de l'écrit. Il ne déléguait pas à d'autres la rédaction de ses textes qu'il ciselait dans la souffrance, le faisant mentir quand il dit « Je n'aime pas écrire, je ne suis pas épistolier, je suis même paresseux ». Il est davantage dans la vérité quand il reconnaît, je cite, « J'ai pris goût à puiser dans le jardin potager de tous les jours. J'ai saisi la force évocatrice de l'image quand elle sait modestement se retirer à temps. Le langage poétique, avec toutes ses harmoniques, est celui qui donne le plus de plénitude, de richesse à une vérité. Il relie nature et grâce. Il surprend Dieu dans son acte créateur. Sa culture était profonde, même s'il s'attachait à ne pas l'étaler. Dans ses écrits, on rencontre naturellement et sans pédanterie beaucoup d'écrivains et de poètes, et ce ne sont pas des lectures de seconde main. Cette ouverture d'esprit s'étendait à ses contemporains, même et surtout les plus humbles. Il connaissait tout le monde. Il aura désenclavé cette enclave du Vatican, le Palazzo San Callisto, en recevant le monde entier dans son appartement, en commençant toujours l'entretien par une prière dans la chapelle garnie d'icônes, car il ne fait pas oublier que Dieu est le patron, et en s'étant bien assuré qu'il y avait des macarons à offrir aux visiteurs. Alors que chaque jour s'allonge davantage l'ombre que l'on fait en marchant, que sonne l'heure des vendanges tardives, que la pensée remonte les fleuves, il faut revenir à Espelette. Quitter ce Trastevere est pourtant tellement aimé pour retrouver le petit garçon qui l'attend au pays de l'enfance. Il aimait ce texte de Bernanos qui ouvre ses mémoires. Certes, ma vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière, et, comme un jeune chef, ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. De son ordination à son dernier souffle, le Père Etchegaray aura dit 26 000 fois la messe. 26 000 fois. Il aura psalmodié devant quelques fidèles ou proclamé devant des assemblées immenses, ces mots reçus de son Seigneur, «
conduis-nous vers l'unité parfaite et étends au monde entier le salut et la paix. » Avait-il en tête cette notation de Jean-Marie Rouart ? Je cite, « Il y a deux chemins en nous, l'un visible qui vous conduit à travers les chaos de la vie sociale, à chercher la reconnaissance des autres, le succès, l'autre inavoué. C'est la fragile passerelle tendue vers ce but secret, rêve d'unité et de grandeur personnelle mêlée que nous avons un jour assigné à notre vie et sans laquelle elle n'a pas de sens. Entre les deux, un abîme. Avait-il atteint cette unité parfaite que nous quêtons tous désespérément ? Avait-il comblé son abîme ? Peut-être son sourire est-il une réponse ? Car il avait étendu au monde entier le salut et la paix. L'homme de Dieu appartient à l'insondable, il demeure un mystère. L'homme de bien nous éclaire, il nous laisse sa lumière. Je vous remercie. Merci, cher Hervé Guémard, pour cette très émouvante lecture de la notice sur la vie et les travaux du cardinal Etchegaray. Beaucoup parmi nous, en tout cas ceux que je vois ici et qui le connaissaient, ont approuvé par leur langage du corps ce qu'ils viennent d'entendre. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter un poème en prose de Charles Baudelaire, Les bienfaits de la lune, enregistré par Serge Reggiani. La lune, qui est le caprice même, regarda par la fenêtre pendant que tu dormais dans ton berceau et se dit « Cet enfant me plaît ». Et elle descendit moelleusement son escalier de nuages et passa sans bruit à travers les vitres. Puis il s'étendit sur toi avec la tendresse souple d'une mère. Elle déposa ses couleurs sur ta face. Tes prunelles en sont restées vertes et tes joues extraordinairement pâles. C'est en contemplant cette visiteuse que tes yeux se sont si bizarrement agrandis. Et elle t'a si tendrement serré à la gorge que tu en as gardé pour toujours l'envie de pleurer. Cependant, dans l'expansion de sa joie, la lune remplissait toute la chambre comme une atmosphère phosphorique, comme un poison lumineux. Et toute cette lumière vivante pensait, disait, « Tu subiras éternellement l'influence de mon baiser. Tu seras belle à ma manière. Tu aimeras ce que j'aime et ce qui m'aime, l'eau, les nuages,
le silence et la nuit, la mer immense et verte, l'eau informe et multiforme, le lieu où tu ne seras pas, l'amant que tu ne connaîtras pas, les fleurs monstrueuses, les parfums qui font délirer, les chats qui se pâment sur les pianos et qui gémissent comme les femmes, d'une voix rauque et douce. Et tu seras aimé de mes amants, courtisé par mes courtisans. Tu seras la reine des hommes aux yeux verts, dont j'ai serré aussi la gorge dans mes caresses nocturnes, de ceux-là qui aiment la mer immense, tumultueuse et verte, l'eau informe et multiforme, le lieu où ils ne sont pas, la femme qu'ils ne connaissent pas, les fleurs sinistres qui ressemblent aux encensoirs d'une religion inconnue, les parfums qui troublent la volonté, et les animaux sauvages et voluptueux qui sont les emblèmes de leur folie. Et c'est pour cela, maudite chère enfant gâtée, que je suis maintenant couché à tes pieds, cherchant dans toute ta personne le reflet de la redoutable divinité et la fatidique marraine de la nourrice empoisonneuse de tous les lunatiques. Nous allons maintenant procéder à la remise à Monsieur Guémard de son épée d'académicien. La parole est à Monsieur Vincent Montagne. Cher Hervé, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. L'épée que j'ai l'honneur et la joie de vous remettre au nom de notre comité en ce jour de votre installation à l'Académie des sciences morales et politiques pourrait bien vous avoir murmuré à l'oreille ce vers de Baudelaire. Car vous avez choisi une épée de l'Institut d'Égypte qui nous ramène au 22 août 1798, quand Bonaparte, en pleine campagne d'Égypte, est fasciné par cette vieille civilisation incarnée par ces pyramides qui défient des siècles, fonde cette nouvelle académie. Le choix de cette épée ancienne est un multiple clin d'œil. À votre passion pour l'histoire dans ses profondeurs, aux premières années de la vénérable institution qui vous accueille aujourd'hui, car c'est en s'inspirant de l'épée des membres de l'Institut d'Égypte que le premier consul, signant en 1801 l'arrêté sur le costume de l'Institut de France, fondé 6 ans auparavant, décida d'y adjoindre une épée. Clin d'œil encore à l'intérêt que le colonel de réserve que vous êtes nourrit pour la chose militaire. À cette passion pour l'Égypte et le Moyen-Orient, développée pendant ces années de vie professionnelle passées en famille au Caire, entre 1990 et 1992, qui ont tellement compté dans votre perception du monde et votre vision du rôle de la France. Car cette mission financière à l'ambassade de France, qui vous fit rayonner dans les pays voisins, ne fut pas seulement l'occasion d'observer de près les bouleversements politiques de ces années-là, en pleine guerre du Golfe, ce fut le terrain d'une rencontre décisive entre les lectures de vos 12 ans, Laurence d'Arabie, et une réalité plus captivante encore. Né au pays de la neige, au sein d'une lignée enracinée dans cette montagne depuis la nuit des temps, écriviez-vous dans la route des Chapieux, j'ai pourtant toujours été fasciné par l'Orient et le désert. Et quelques pages plus loin,
après un rappel historique précis, vous concluez « La France n'est pas la France sans l'Orient ». Et c'est au retour d'Égypte que vous décidez d'entrer en politique. Et c'est naturellement le groupe d'amitié France-Égypte que vous allez présider avec bonheur plus tard à l'Assemblée nationale. Invitation au voyage, cette épée l'est aussi par l'évocation d'autres grands horizons qui ont marqué votre vie. Sous le clavier, à gauche, une carte de l'Afrique, du Moyen-Orient et du sud-ouest de l'océan Indien. Il y eut d'abord pour vous ces îles où l'on parle français, selon une formule que vous affectionnez. Madagascar, La Réunion, Mayotte, les Comores. La grande île vous est chère grâce à Jean Paulhan et la découverte des Aïn Teni, ses subtils haïkus malgaches. Ses voisines le sont par le souvenir des découvertes enthousiastes de vos stages à l'ENA. Les Outre-mer, cette France, hors les murs qui respirent le goût du large, vous les aimerez d'emblée pour leur humanité simple et profonde, pour le parfum aussi d'aventures lointaines. Vous en avez toujours eu le souci, tant comme ministre que comme député, mais c'est toute l'Afrique que le clavier met à l'honneur, au centre de la carte un épi de blé. Il rappelle bien sûr votre engagement constant au service de l'agriculture française et cette question qui vous taraude. Comment nourrir les hommes, en Afrique évidemment, mais aussi dans le monde entier et pour les générations futures. Le flocon de neige, ou plutôt le cristal de neige au centre du clavier, nous mène vers d'autres climats, non pour souffler le chaud et le froid, mais pour signifier votre amour de la montagne et votre intérêt pour les pôles, parfaitement compatible avec le tropisme de la brousse africaine, car la nature en sa beauté unit toujours les contraires avec bonheur. Barouder est aussi un bonheur, nous y voilà, car le cristal de neige n'est pas seul au centre du clavier, il partage la vedette avec Corto Maltese. Et grâce au gentilhomme de fortune, symbole d'exotisme et de liberté, de bulle en bulle, de case en case, nous en venons, si j'ose dire, au corps du délit, à savoir une des raisons, sans doute, qui vous a poussé à me charger de présider le comité de l'épée. La BD, celle qu'on lit, celle qu'on édite, que nous aimons tous les deux, et dont la connaissance encyclopédique que vous en avez, très supérieure à la mienne, m'a conduit à vous demander en 2005 de devenir administrateur de la maison d'Argot. Je note d'ailleurs au passage qu'en faisant entrer dans l'univers éditorial de la bande dessinée un futur membre de l'Institut, j'avais accompli un acte prémonitoire, la réception récente de Catherine Meurice, ici même, donne ses lettres de noblesse au 9e art et montre que sa fréquentation est l'antichambre de la gloire académique. C'est l'édition, mon cher André, qui a fait grandir notre amitié. À votre retour d'Égypte, vous avez eu la tentation d'en faire votre métier. J'en ai fait le mien. Je suis même, avec la présidence du syndicat national, devenu temporairement l'homme du livre. Eh bien, cet homme du livre, amoureux de tous les métiers qui concourent à l'édition, tient à vous exprimer aujourd'hui sa joie de l'attention que vous avez apportée en matière législative au soutien concret de nos professions. Et tandis qu'approche le moment d'évoquer les grands écrivains de votre paysage intérieur, j'aimerais dire que parmi les livres dont vous êtes l'auteur, je ne peux oublier ce rapport de 2009 pour le ministère de la Culture, publié par la Documentation française et Gallimard, sous un titre sobre mais dense, « Pour le livre ». Tribut de reconnaissance aux libraires de votre enfance. Cette défense concrète et argumentée de l'objet livre et de son économie, au nom des droits de l'esprit, brille comme l'épée d'un chevalier. Mais le livre, c'est naturellement et d'abord la plume qui court sur le papier sous l'inspiration de l'auteur.
Alors que l'économie et les finances ont tenu la place que nous savons dans votre vie professionnelle, n'avez-vous pas écrit « Les hommes de plume sont d'un plus grand secours que les hommes de chiffres ». À droite du clavier de l'épée égyptienne, en une courbe élégante, figurent vos hiéroglyphes personnels. Déchiffrez simplement l'espace d'un discours, les initiales des écrivains aimés. A.M., André Malraux, qui fut au sortir de l'enfance l'intercesseur pour vous de la littérature, de l'art et de la politique. Vous lui avez d'ailleurs consacré en 1996 votre premier livre, Un exercice d'admiration pour Malraux. Georges Bernanos, le grand d'Espagne selon le mot de Nimier, aux fulgurances prophétiques, qui vous révéla l'esprit d'enfance et le courage intellectuel. Guy Dupré, dont le style sensuel et puissant traduit l'âme des tragédies françaises, de la dégradation de Dreyfus au rembarquement d'Alger. Il vous a choisi pour être son exécuteur testamentaire. Mario Rigoni Stern, massif et fraternel, par l'amour de la montagne qui vous réunit, et son art de chanter les hommes et les paysages dans leur saison. Colette, pour la nature encore, mais aussi la subtilité des sentiments mêlés et le style ensorcelant. Chateaubriand, pour le génie de sa traversée des mondes et la beauté inégalée de sa phrase française. Alexandre Vialat, compagnon de chaque jour, revenu de la nuit, prompt à donner les dernières nouvelles de l'homme avec une cocasserie qui masque mal la gravité. Jean Paulhan, déjà cité pour la complicité malgache, mais aussi pour son refus de l'intolérance et son art de dire avec force et nuance des choses parfois bien terribles. François Cheng, car il nous conduit par la langue de la poésie et la poésie de la langue jusqu'au tréfonds de l'âme humaine. Romain Gary, enfin, ou l'honneur d'être un homme, tout simplement. La signature en forme de chat d'André Malraux entoure l'ensemble de ses initiales. Chat ou sphinx, qui sait ? Cette ligne en forme d'esquisse sublime les aventures du clavier. Sur la chape du fourreau figurent les trois croix qui fondent votre vie. La croix de Savoie est la première. Sans ma Savoie, dites-vous, je me sentirais comme une plante coupée de ses racines. À côté de cette croix de naissance, la croix du Christ de votre baptême, seconde naissance, symbolise votre foi discrète et l'ouverture de votre vie au mystère de notre destin. Puis, comme bouton de chape, la croix de Lorraine de votre engagement public, le général de Gaulle. Sa grande ombre portée, son amour de la France, la hauteur tragique des moments de l'histoire qu'il incarne ont guidé votre chemin depuis votre haute enfance. Enfin, sur la fusée de l'épée figurent les hiéroglyphes les plus intimes, puisqu'il s'agit des initiales de tous les vôtres, symbole de cette transmission familiale qui a tant de prix à vos yeux. Un seul visage sans masque égyptien, lumineux, celui de votre épouse Clara, compagne et inspiratrice des grandes aventures de votre vie. Cette forêt de symboles, il est temps maintenant de la remettre entre vos mains. Puisse le tranchant de cette épée accompagner avec éclat la rectitude de pensée et d'action que nous vous connaissons. Merci beaucoup, cher Vincent Montagne. Avant de donner la parole
à Hervé Guémard. Nous allons écouter Youkali de Kurt Weill, interprété au piano par Célia Oneto Ben Saïd, que nous avons déjà entendu, au violoncelle par Jérémy Billet, que nous avons aussi déjà entendu, et avec la voix de Marie-Lou Jacquard, fille de Clara et d'Hervé, et que nous avons aussi déjà entendu. Je vous en prie. C'est presque au bout du monde. Thank you.
Il me reste à nouveau à mettre quelques mots sur la musique de cette séance. Vous m'avez demandé, cher Hervé, de remercier chaleureusement de votre part les merveilleux interprètes qui nous ont enchanté, ce que je fais avec joie, pour leur grand talent à traduire le sens profond de ces pièces musicales. Merci donc de tout cœur à la pianiste Célia Onto Bensaïd, au violoncelliste Jérémy Billet, à Marie-Lou et Thaïs, vos filles, pour la voix, et à Gauthier Capuçon pour sa participation, un compatriote savoyard, bien sûr. Le lecteur... Le lecteur est un chef d'orchestre, avez-vous écrit au terme d'un hommage aux écrivains de votre vie. La boucle est désormais bouclée. Merci, cher Vincent Montaigne, pour cet hommage auquel, je crois, nous nous joignons tous. Ce que nous avons entendu était merveilleux. Je donne maintenant la parole, pour les remerciements qu'il va faire, à Hervé Guébard. Non ? Pas de remerciements, Hervé, pourtant. Vous êtes comblé. Vous êtes comblé. Alors, est-ce que je... Pardon ? Ah, pardonnez-moi. Je vous en prie. On l'a déjà vu.
Nous venons d'entendre Fly Me to the Moon de Bart Howard. Voulez-vous dire un mot ? Vous avez le dernier mot, c'est normal. Monsieur le Président, puisque vous insistez, je vais devoir m'en remettre à votre autorité respectueuse. Moi, je voulais tout simplement à nouveau remercier tous les artistes qui nous ont accompagnés pendant ce moment d'exception, émouvant pour chacune et chacun d'entre nous et pour votre serviteur en particulier. Et je voulais tout simplement vous remercier d'avoir été là. Merci encore. Je voudrais pour ma part aussi remercier ceux qui nous ont éblouis par des discours que j'ai qualifiés d'émouvants et de superbes, et puis remercier tous ceux qui ont été présents à cette cérémonie et saluer le travail des équipes techniques que j'ai trouvé admirable pour rendre précisément la beauté musicale de ce que nous avons entendu. Merci. Du matin. Là, il y a eu un moment du passage à vide.